découvert à quel point les voix étaient importantes pour vous, pour le public, lorsque les DVD sont apparus. Parce que quand j'ai, par exemple, moi, quand j'ai commencé à enregistrer Dragon Ball Z, il n'y avait pas le net, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tout ça, parce que c'était il y a une trentaine d'années, déjà. Et petit à petit, on s'est aperçu, il y a eu des cassettes de vendues, puis des DVD. Puis après, il y a eu des conventions où j'ai été invité, où je vous ai rencontré. Et là, j'ai fait, oh là là, il y a beaucoup de gens qui viennent. Stéphane, qu'est-ce que toi, tu as comme sentiment ? Eh bien, je suis très contente de voir vos visages. Parce que si vous êtes contente de me voir, moi, je suis contente de vous voir. C'est un peu anonyme, ça fait autrement. J'adore le Friends of Personnage, je le fais depuis une douzaine d'années. Et je vous remercie, ça va durer encore longtemps, parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Comment vous voulez vos personnages ? Vous êtes attachés à eux ? On est terriblement attachés. Le film est un personnage attachant, non ? Alors pour moi, oui, puis hier et avant-hier, j'ai ouvré pour vous quelques caméras, puisque je suis en train d'enregistrer actuellement Dragon Ball Super, qui normalement... Je pense que ça va le faire. Et c'est qu'un début.